Yo les gens, c'est Fossoyeur, on va voir ensemble comment débloquer Dempsey. Alors, tout d'abord, on va aller se parachuter à Nocturne. Il va falloir entrer dans le bunker. Notre connaissance, c'est le seul spot où on trouve la bouteille, l'objet nécessaire à débloquer Dempsey. Donc, en route, c'est parti, on fonce sur Nocturne. Alors, vous avez vu, hein, j'ai mis ma petite étiquette pour atterrir à une entrée du bunker, mais comme tout le monde le sait, le bunker a trois entrées, peu importe laquelle vous accédez. Il suffira de se retrouver dans la bonne salle pour choper cet objet. Donc, alors, on approche. Voilà, je ne vais pas entrer par là où j'ai mis ma petite étiquette, mon point. Je vais faire, en fait, en rentrant par ici, c'est l'endroit le plus proche de la salle où il va y avoir la bouteille. Donc, je vous conseille de venir ici. Vous descendez. On emprunte le couloir et dans ce couloir sur la droite il y a cette pièce et sur cette pièce il y a un comptoir là ici. Alors la bouteille se trouve ici ou ici, voilà, c'est cette bouteille. On chope la bouteille et comme vous allez pouvoir voir, moi j'ai déjà réalisé le défi, donc ça me dit que cette mission est terminée. Mais pour le petit défi à réaliser, il va falloir faire un kill à la grenade, seulement juste un kill à la grenade, pas besoin de se placer dans un top. Donc voilà, j'ai ma proie. Bon, j'ai raté, je huilé ma grenade. Vous avez vu, le mec n'est pas mort. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment que je le termine avec une grenade obligatoirement ou pas? Je cherche ma grenade, je vais chercher une grenade parce que franchement, j'ai pas envie de faille le truc. Je veux vraiment le terminer, être sûr d'avoir le machin. Je cherche et comme on a déjà tout ramassé, il n'y a pas de grenade. Le copain m'aide à chercher une grenade, mais il n'y en a pas. Il y a son pote qui est là. Au mieux de le réanimer et que je perde le défi, je le descends. On verra bien si je l'ai. Et voilà, j'ai obtenu Dempsey, les gars. Donc, hyper facile quand même. Juste un kill. Pour le spot de la bouteille, franchement, à ma connaissance, il n'y a que cet endroit-là. Donc, si jamais vous trouvez d'autres spots, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Bon, je vous laisse, les gars. Ciao, bye, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de me liker. Gardez la pêche.